Aujourd'hui, je vais vous présenter la Suisse. La Suisse a 8 544 527 habitants. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. La densité de population de la Suisse est de 207 habitants par kilomètre carré. La Suisse est une confédération. La capitale suisse est Berne. La Suisse est divisée en 26 cantons. Ils forment une fédération de cantons. La politique suissesse est plus compliquée que l'allemande. Elle est divisée en trois parties. Le Conseil fédéral, qui dirige le gouvernement, et l'État. Il y a sept conseillers. Le président de la Confédération conduit le gouvernement en tant que primus inter pares. Il est changé chaque année par l'un des membres du Conseil fédéral. Aujourd'hui, c'est Simonetta Sommaruga qui est au poste. Puis, le chancelier de la Confédération et le chef de la chancellerie fédérale suisse. Il est considéré comme le huitième conseiller fédéral. C'est Walter Turner qui occupe le poste. Pour se déplacer en Suisse, on prend l'avion avec Swiss International Airlines. Mais on prend plus le train, qui est un moyen de transport le plus répandu en Suisse. On peut même prendre le TGV de la CFF, pardon. La devise suisse est en latin Unus pro omnibus, omnes pro uno. Et en français, cela veut dire un pour tous pour un. L'hymne suisse s'appelle le cantique suisse. Les armoiries font apparaître la croix blanche sur fond rouge, comme le drapeau.